white cheese and feta. Bon, messieurs, dames, alors on est chez Tekane ici. Laurent est en train de manger son burger avec ses frites. Comment sont tes frites? Croustillantes, pas trop grasses, pas trop huileuses. Goûteuses? Ouais. Cuites dans l'huile d'arachide? Ouais. Ça aide un peu? Goûte meilleur que des frites de McDo. Ah, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas mal facile de sortir. C'est pas trop dur à vattre. Hein. Ils sont pour des petites frites, là. Tekane, ils l'ont vraiment. Les burgers sont bien spéciaux parce que c'est des burgers. Comme on mange pas d'habitude, là, c'est 2 onces avec juste la sauce spéciale qu'ils veulent pas donner la recette. Et ça, ben, ils font ça depuis 1954. Alors, c'est pas rien, là. Ils ont de l'alcool, une grandeur, ils ont pas de dessert parce qu'ils sont pas capables de se décider. C'est comme quoi ils prendraient un dessert ici. Alors, les gens prennent pas de dessert ici ou ailleurs, mais quand même, c'est pas si fait. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert, tu sais, un peu? Ouais. Alors, second set ici, Laurent s'est pris un 8e burger. Ensuite de ça, non, c'est pas vrai, c'est le 12e. Ensuite de ça, une 4e frite. Et moi, je me prends une 8e poutine. Alors, c'est la poutine de chez Tekane. Elle n'est pas pire, là. C'est quand même elle pas mauvaise, là, mais c'est quelque chose de différent. C'est pas du fromage en grain. Puis un petit cheese à dresse pour Laurent. Avec un peu de restant de liqueur. Mesdames, messieurs, dames, on est ici à l'autre bout du monde. Proche de chez ma mère. Proche de chez la mère à Laurent. Elle reste pas loin d'ici, ta mère? Ouais. Bon, on va aller la voir. Ensuite de ça. Ben, si tu veux, on va y aller, mais. Non, ouais, c'est non, une autre fois. Je suis pas présentable, là, je suis tout beurré, là, puis on est en train de faire un bum. Alors, c'est ça. On va finir ça ici. Puis après ça, on s'en va. Chez la reine des produits laitiers. La Dairy Queen qu'elle s'appelle. Moi, je vais pas prendre quelque chose de pas sucré parce que. Non, il n'y a rien de sucré chez Dairy Queen de toute façon. Un verre d'eau peut-être, c'est ça. Ensuite de ça, ben ouais, moi je vais prendre mon fameux cornet si on a deux couleurs, une molle trempée dans le chocolat. Ça, c'est ça, c'est mon classique, là. Comme ils font en face de chez Loblaws, deux couleurs molles. Trempé dans le chocolat, c'est encore plus cochon. Ouais. Alors voilà, messieurs, dames, ça va être tout à l'heure, en face, dans le parc Beaubien, je pense. Ouais. Ça. Moi, bon, alors, ici, pour terminer notre mission aujourd'hui, on est passé à Dairy Queen. Et Laurent n'a pas été capable de résister à un, comment t'appelles, Peanut Buster, t'appelles oui. ça, cette affaire-là? Ah ouais, ça... Moi, ben, j'ai pris un petit cornet régulier chocolat vanille trempé dans le chocolat. Il est très très bon, mais je n'ai pris un petit là, pour être raisonnable. Parce que je suis allé chercher, on ne voit pas là, mais il est caché dans le sac, un griot haïtien pour vraiment me coucher un peu plus tard. Alors voilà, messieurs, dames, ça termine notre soirée des bombes à famille. En cette journée du 26 juillet de l'an de grâce 2012. Oui. Ah voilà, tu as même les effets spéciaux en arrière. Alors,
Tell them to stop being a hard time.